Stevan Ejiret nous a quittés à un moment improviste. Il a été fauché par la mort. Oui. On ne s'y attendait pas parce qu'on en a besoin de lui actuellement. Expressément et actuellement. Albert Stevan Ejiret, le président Stevan Ejiret. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a encore repris. Donc, c'est un grand homme. Hein. C'est vrai que il est âgé de 90 ans. Un grand homme politique. C'est un peu difficile de gérer ça, mais on ne peut rien. Malgré l'âge, je dis que c'est une triste nouvelle. Si nous parlons de Stevan Ejiret, on est triste. Paix à son âme. On est triste parce que la nouvelle vient de tomber à un moment où le Bénin traverse une terrible crise. Ceux qui ont voulu, ceux qui ont laissé des traces indélébiles pour ce pays. C'est pour cela que cette nouvelle nous a rendu beaucoup triste hier jusqu'à aujourd'hui. Après, par rapport à la vie de l'homme. Saint le mérite, un professeur, un cadre béninois, un politicien. Ce que nous, le temps de l'homme, c'est que... J'ai des écrits d'Albert Stevan Ejiret chez moi. Il est un cadre émérite, pas de moindre. Qui a des visions positives. Reconnues au plan national et international. Et puis médiateur, le premier médiateur de la République. C'était des hauts cadres d'Arméens. Et il a dressé son testament. Ceux qui ont fait la fierté de Dahomey. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, on vous dira plus sur tes voyages. Quelqu'un qui a milité et vrai pour la paix, la démocratie au Bénin. Tes voyages a œuvré pour la culture et la paix, le respect du droit de l'homme et des libertés en Côte d'Ivoire en son temps. Il a fait les Nations Unies. Il a milité pour la paix en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, il a aussi œuvré avec le premier président du Cameroun après l'indépendance du Cameroun. Je me rappelle aussi de... Par ses actions, il a été reconnu. Ses mérites ont été applaudis en son temps, même par les Blancs. Vous voyez, non, c'est un grand homme. Quand nous venons encore au Bénin, oh, personnellement, Stevan Ejiret a posé des grands pas. Il fait partie des pionniers de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Moi, je vais de Souza être devant, mais il a des hommes, des têtes pensantes derrière. Il a participé activement à cette conférence du début jusqu'à la fin. Pour que nous ayons ce résultat, il fait partie de ceux-là qui ont œuvré, qui ont risqué leur vie parce qu'il y a la démocratie dont vous et moi nous jouissons aujourd'hui. La liberté de presse, la liberté d'expression, d'opinion, de religion. Il est un être humain et chacun a ses défauts quand même. Il n'est pas vraiment un petit homme, c'est un baobab qui vient de tomber. Une bibliothèque qui s'est allée. Selon la tradition, lorsqu'un baobab tombe comme ça, on sort un grand tam-tam que nous appelons convenablement Satan. Mundaho Martial. On joue jusqu'à la fin de ses obsèques. Comme je l'ai dit au début, c'est ce qu'il faut pour te voir direct. Paix à son âme. En temps normal, le président de la République doit te fêter une journée de deuil pour te voir direct. Oui. Parce que si nous nous exprimons librement aujourd'hui, nous avons la démocratie. C'est grâce à ceux-là. Quelqu'un qui se préoccupe de la paix partout. Il s'est préoccupé aussi de la paix entre les religions. Je n'ai pas fait sur cette paix. Nous l'avons toujours vu mener sa vie, cet été de pureté, de fidélité avec sa femme, qui est toujours à sa côté. Moi, je n'ai jamais appris que je voyageais à deux femmes dans sa vie. Et chacun a ses défauts quand même. C'est votre aîné qu'il présente toujours, qu'il a toujours considéré comme la miss. Pour lui, la miss du monde. Il lui souhaite une condoléance. Je lui demande de lui mettre la main sur le cœur
je lui dis que c'est Dieu qui a décidé ça. Et que la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est de prier pour Tevo Ejire. Paix à l'âme de Tevo Ejire. Paix à son âme.